Qui a laissé sa banane là? Bienvenue chez nous, en fin de semaine pour notre deuxième année, Phil et moi, Jou et moi, on fait la vidéo souvenir du Challenge Cycliste des Bleuets. Cette année, j'ai engagé Étienne Simard de Simaweb pour m'aider à filmer sur la route, que ce soit un peu moins compliqué vu que Julie avec la grosse bédaine, pour qu'on ait moins à courir. Donc, sans trop être dans les coulisses, on va voir un peu comment ça se passe là, dans notre journée. Là, on arrive au Ravito. Julie, t'es en train de faire des entrevues. Moi, je fais des beaux B-roll. Puis, mon ami Cédric, c'est un gars de Dolbeau, un ami à David Larouche, c'est ça, je me trompe pas? Yes. Cédric, il dit, Phil, Jeffrey, tu disais de moi. Je dis, ah, ben, regarde donc, j'ai un chandail. Fait que mon chandail va faire partie du tour du lac. Eh oui. Et voilà. Pourquoi vous êtes parti d'aussi loin pour venir faire le Challenge Cycliste des Bleuets? Bien, l'année passée, on est venu faire le tour, la véloroute en famille. Okay. Puis on a tellement aimé ça qu'on a dit qu'il faut absolument revenir, peu importe la forme. Ça va très bien, les cyclistes sont disciplinés, ils sont gentils. Ils ont eu froid un petit peu, mais là, le soleil s'en vient. Uh-huh. Puis on va faire une belle randonnée, c'est ouais. Terrible. Merci d'être très discipliné. Bonne journée. D'habitude, il n'y a coûte rien. On s'est pas vu beaucoup encore dans le vlog aujourd'hui parce que avec le Challenge Cycliste des Bleuets, je m'occupe des médias sociaux pendant la journée, de faire vivre un petit peu étape par étape aux cyclistes. Fait que là on est dans un champ de patates, là. On est à Péribonka. C'est une super belle marina. C'est vraiment beau, puis on a du temps un petit peu là, de lousse là, entre deux stations où on filme. Fait que, on est venu voir là, la beauté du lac parce que c'est absolument un point à arrêter, la marina de Péribonka. En début de vlog, je vous ai parlé que j'avais engagé Étienne Simard de Simaweb. Mm. Étienne, il fait surtout du site internet, mais il adore la vidéo, donc on travaille de temps en temps ensemble. Ouais. Donc aujourd'hui, petite journée complète. Bien relax. Bien relax. Comment tu trouves ça, Étienne? Ça a bien été. C'est le fun? Oh, ben, ouais. L'année passée, t'es moi, Julie. Cette année, on est quatre. On a grossi l'équipe. C'est beaucoup plus facile. La vidéo va être vraiment meilleure. On est cinq, ouais. Fait qu'on continue. On laisse Étienne ici, comme toutes les autres fois qu'on a fait. Parce qu'on avait chacun notre spot, puis on se relayait, on se repassait. Étienne, lui, finit à Péribonka. Nous, on s'en va à Dolbeau, prendre le pont et l'arrivée. Fait que, on repogne la route. Bon, mais faire de la vidéo dans un événement sportif comme le Challenge Cycliste des Bleuets pour le Tour du Lac, tout dépendant les villages, les beaux points de vue, t'sais, de Dolbeau vers Saint-Félicien, Robertval, Chambord, Alma, il y avait beaucoup de beaux points. Donc, tu sais, là, c'est jusqu'à Saint-Félicien, Robertval, ça allait pas pire. Mais de Robertval, Chambord, Alma, là, on a vraiment plus runné après ça sur l'autre côté du lac. On arrêtait à Saint-Cœur-de-Marie, on est allé à Péribonka, ce qu'on a vu Étienne. On est monté directement à Dolbeau, donc Jou m'a laissé ici, à Mistassini, au super de Beaupont. Là, c'était long, j'ai été ici une demi-heure facile, si ce n'est pas plus, à attendre. Mais ça fait partie du contrat, ça fait partie de la job. On va avoir vraiment des super de belles vues. Fait que là, Jou va les accueillir à l'arrivée. Moi, je marche un petit peu, il y a quelqu'un qui m'a venu me chercher. On s'en va à l'arrivée. Un vlog un peu différent aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Donc, dans les commentaires, écrivez-nous le tour du lac Saint-Jean. Vous l'avez-tu fait à vélo, à pied, en auto, en moto? Peu importe, on veut savoir là, le tour du lac, si vous l'avez fait, puis comment. Alors, suivez-nous sur Facebook, Instagram, YouTube, et on se dit à une prochaine fois!
Dans pas mal tous les événements sportifs, cyclistes, course à pied, peu importe, il y a des bananes. On vient de partir. En partant, j'ai trouvé une banane sur mon véhicule. Qui a laissé sa banane là? Une banane dans l'oreille, il y a une banane dans le pare-brise.